Merci Jésus.
Ah, 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 ah
pesa ye na operation Bongo maladi na boyo Bolo binimi ya ya ye Na mona yo na bomo ya mafe madwini Bolo ngola ye na soni Ngola ye soni Bongo kulela na kayo Ndipo sila mokolo nini Ye za bena Wala Ye ye za bena Ye ye yesu ka kutoko La nika di loske Bonjour, 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 selon les temps dans les coins où vous êtes situés. Je vous dis bonjour, puisque nous ici en France, bien aimés, c'est encore bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous, bien aimés, que Dieu vous fasse du bien, qu'il vous fasse du bien, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse tous ceux qui vous sont chers, que Dieu vous fasse du bien. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au moment où nous parlons de ces choses qui sont très importantes dans la vie des chrétiens. Nous sommes en train de parler de l'interprétation des songes. L'interprétation des songes, ça c'est notre grand thème, l'interprétation des songes. Comment décoder le message de Dieu? Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais seulement l'homme ne prend pas garde. Voilà, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Nous voulons partager ces moments favorables. Ces repas que Dieu a réservés pour nous, nous voulons la partager, bien-aimés. Mais avant cela, je tiens à vous signaler de commencer déjà à partager la vidéo, partager les directs, bien-aimés, inviter les amis, taguer les amis, inviter la famille, inviter beaucoup de membres, beaucoup de gens qui viennent nous rejoindre, bien-aimés, qui viennent nous rejoindre pour écouter ces oracles de l'Éternel. Inviter les familles. La Bible dit, celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Alors mets-toi à inviter, à taguer les amis, à taguer. Ce que vous ne voyez pas, taguer les bien-aimés, taguer aussi vos amis, vos membres de famille, vos connaissances, vos relations, taguez-les pour qu'ils puissent venir nous rejoindre. Voilà mes bien-aimés, beaucoup de partage s'il vous plaît, vous êtes des samaritaines. Un samaritain, c'est celui-là qui amène l'évangile plus loin. Il dit, ah, des choses que je suis en train d'écouter là, il faut que je puisse faire bénéficier aussi aux autres. Donc c'est ça, un vrai samaritain. Mets-toi à partager dans les groupes Facebook, dans tous les groupes Facebook que tu es membre. Donc partage. Que Dieu te bénisse, Aurélie Tanga, Maman Annika Taï, que Dieu te bénisse, Maman Siska Kimia, Maman Ida Otabo, Elodie Rodin, que Dieu vous bénisse. Maman Kinanga da Silva, Mireille Kawanda, que Dieu vous fasse beaucoup de bien, beaucoup de bien. Voilà. Lydie Manuel, que Dieu te bénisse aussi. Marie Dabou, que Dieu te bénisse. Nous acclamons d'abord le Seigneur très très fort. Acclame Jésus.
On acclame le Seigneur avec des cœurs, avec des likes. En mettant beaucoup de cœurs, en mettant beaucoup de likes, bien-aimés, nous acclamons notre Dieu. Acclame-le très très fort, très très fort, très très fort. Dis-lui bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Yeah, 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 yeah. Sois le bienvenu, maman évangéliste. Jésus-Christ gagne toujours. Acclame-le très, très fort. En même temps, tu partages, tu partages, tu partages, tu partages. Voilà. Alors, bien-aimés, nous voulons parler ce midi de l'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Donc, mari ou femme de nuit ou mari ou femme spirituelle, c'est la même chose. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Maman Sophie, que Dieu te bénisse. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Céline Akongo, que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut écrire, taguez-moi Camille Moulumba, Camille Moulumba. L'évangéliste Mimi La Gloire, elle était souffrante. Je ne sais pas si elle s'est rétablie ou pas encore. Essayez de la taguer. Évangéliste Mimi La Gloire Nzondomio, Camille Moulumba, Mireille Kawanda. Essayez de les taguer tous. Que Dieu vous bénisse. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Maman Isa, que Dieu te bénisse. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Quelqu'un peut écrire cela. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Maman Siska Kimia écrit. Oui, merci Aurélie, puisque tu as déjà écrit. Les songes liés au mari ou femme spirituelle, volume 2. Nous voulons terminer ce chapitre de mari ou femme spirituelle. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Voilà. Invité bien-aimé d'autres nationalités. Je voudrais voir des Camerounais, des Ivoiriens, des Béninois, des Togolais, des Centrafricains, des Ivoiriens. Je voudrais voir des Français, des Belges, des Canadiens. Tous ceux qui comprennent le français bien-aimé, invitez-les. Ils ne seront pas déçus. L'interprétation des songes liés au mari ou femme spirituelle. Alors, bien-aimés, je voudrais d'abord introduire, avant de continuer l'interprétation de ces songes-là. Vous savez, bien-aimés, le Seigneur a dit, il reviendra chercher son épouse. Son épouse, donc, c'est toi et moi. Mais Dieu donne des préalables, ou des critères, ou des conditions. Que cette épouse doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette épouse doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc c'est une épouse qui doit répondre aux critères de Dieu. Mais si toi, bien-aimé, merci Gloire d'Oli, que Dieu te bénisse. Si toi, bien-aimé, tu as le mari de nuit ou tu as la femme de nuit, tu as une tâche. Tu as une tâche, bien-aimé, des fois il y a des choses que nous négligeons, mais c'est très capital, c'est très très capital, bien-aimé. Avoir un mari ou une femme de nuit peut te faire manquer le ciel. Avoir un mari ou une femme de nuit peut te faire manquer le ciel. Joss Britney, que Dieu te bénisse. Puisque le Seigneur a dit, il doit revenir chercher une épouse qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc toi, tu as le mari de nuit, tu as la femme de nuit, bien-aimé, tu n'iras pas. Puisque tu ne remplis pas les conditions, tu ne remplis pas les critères.
Donc tu dois tout faire pour pouvoir t'en débarrasser. Tu dois tout faire, bien-aimé, pour te séparer de cette union illicite. Tu dois te séparer de cette union illicite, bien-aimé, puisque ce n'est pas une union qui plaît à Dieu. Le Seigneur a fait le mariage une chose publique, mais le diable l'a rendu nocturne. Alors, quand il te fait entrer dans ces trucs-là, bien-aimé, tu dois tout faire pour pouvoir en sortir. Sinon, tu rateras le ciel. Vous savez, mes chers amis, quand nous parlons de l'impudicité, il y a l'impudicité charnelle, physique, mais il y a l'impudicité aussi spirituelle. C'est pour cela que nous parlons du mariage spirituel. Quand nous parlons de mariage spirituel, donc bien-aimés, comprenez qu'il y a l'adultère spirituel, il y a l'impudicité spirituelle, il y a le lesbianisme spirituel, il y a l'homosexualité spirituelle. Tout ça, bien-aimés, ça existe. Et la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, les peuples ne verront pas l'aurore. C'est pour cela que nous parlons de ces choses. Quand tu vois certaines choses, donc c'est que Dieu est en train de sonner l'alarme, de sonner l'alarme. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tu peux rater le ciel. Puisque Dieu te considère comme un impudique. Et pourtant, dans le monde physique, tu te préserves. Dans le monde physique, tu te préserves, maman. Okanga makolo na yo. Na monde physique, okanga makolo. Mais na monde spirituel, bafungola ko makolo wana. Bien aimé, nzamba zo mona yo. Impudique. Pas seulement un impudique simple. Pas seulement un impudique simple. Mais Dieu te voit un impudique doublé de l'inceste. Puisque les rapports que tu fais là pendant la nuit, tu les fais peut-être avec ton père. Tu les fais peut-être avec ta mère. Tu les fais peut-être avec ton frère. Peut-être avec ta sœur. Donc c'est très grave, bien-aimé. C'est très, très grave. C'est très, très, très grave. Donc tu dois tout faire, bien-aimé, pour sortir de cet inceste spirituel. Tu pratiques l'inceste spirituel? Tu commets l'inceste spirituel avec quelqu'un de ta famille? Oh, bien-aimé, c'est une chose horrible. C'est terrible, bien-aimé. Tu dois tout faire pour pouvoir t'en sortir. Tu couches spirituellement avec ton père, mais Dieu te voit sale. Réalise, maman, quand tu as des rapports pendant la nuit, quand tu te réveilles, tu sens le dégoût même toi-même. Mais les rapports, tu es avec qui? Tu es avec quelqu'un de ta famille. Donc, c'est que c'est grave. Répands-toi. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Et crie au Seigneur, Seigneur, délivre-moi Jésus. Délivre-moi de ce mari spirituel, de cette femme spirituelle, de ce mariage spirituel. Tu dois crier à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Je pense que vous avez compris ce que je viens d'ouvrir ou d'introduire. Je parle aussi et j'insiste beaucoup sur l'esprit humain. Puisque dans les rapports sexuels et spirituels, bien-aimé, il y a les esprits humains qui interviennent. Les esprits humains, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, mes chers amis. Et ils interviennent, ils prennent la forme d'un être humain qui vous est cher. C'est pour ça que toi, tu dois beaucoup prier pour qu'aucun démon ne puisse prendre, aucun sorcier ne puisse prendre ton visage pour aller coucher avec une femme sous ton identité. C'est très dangereux. Donc ça, tu dois faire très, très attention, bien-aimé. Alors, je reprends, bien-aimé, je sais que hier, je m'étais arrêté à 15e signe, mais là, je reprends à partir de 14. Je reprends à partir de 14, et je sais que ce midi, nous allons terminer, bien-aimé, cet enseignement, ce sous-thème,
sur les songes liés au mari ou femme spirituelle. Alors, 14e signe, nous avons dit, je pense que c'était 15e signe, nous avons dit, vous avez des relations sexuelles avec un mort dans votre songe. Vous voyez quelqu'un qui est déjà mort, mais vous voyez que vous pratiquez le sexe avec cette personne-là. Sache directement que là, c'est l'esprit humain qui intervient. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et c'est très dangereux, c'est la haute sorcellerie. C'est la haute sorcellerie, bien-aimé. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance, bien-aimé. Avoir des relations sexuelles avec un mort. En réalité, ce n'est pas le mort qui est revenu pour coucher avec toi, mais c'est un sorcier qui s'est déguisé en ces sorciers. Il a pris le visage de ces sorciers pour pouvoir venir coucher avec toi. Et nous avons vu 2 Corinthiens 11, 14 à 15, là où on nous montre que ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent. Donc vous comprenez, bien aimé, c'est très dangereux, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux, bien aimé. Coucher avec un mort, c'est la haute sorcellerie. Donc toi, tu es déjà entré dans un niveau, niveau spirituel. Peut-être tu es reine là-bas. Tu es la femme d'un roi sorcier. C'est pour ça que tu vois ce genre de rêves. Donc très dangereux, très très dangereux. Cherche la délivrance, bien aimé. Tu cries au Seigneur, Seigneur, délivre-moi Jésus. Jésus, délivre-moi. Il est le seul qui peut te délivrer. Aucun pasteur n'a le pouvoir de te délivrer si ce n'est Jésus. Voilà. Alors, là c'était 15e, 16e maintenant. Vous vous mariez dans votre rêve avec un membre de votre famille. Vous vous mariez dans votre rêve avec un membre de votre famille. On en a parlé hier. Dans votre rêve, vous rêvez que Camille Moulumba, que Dieu te bénisse. Oui, c'est ça. C'est ça, Camille. Donc, vous vous mariez dans votre rêve avec un membre de votre famille. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Tu fais un mariage, mais avec un membre de ta famille, dans ton rêve. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vous aurez des difficultés à vous marier. Et très souvent, ce membre de la famille est sorcier. Le membre que vous avez vu là, il est sorcier. Donc, vous êtes sa femme de nuit. Vous êtes sa femme de nuit. Et je veux vous informer, mes chers amis, que dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de célibataire. Tout sorcier a une femme de nuit. Toute sorcière a un mari de nuit. Tout sorcier a une femme de nuit. Toute sorcière a un mari de nuit. Donc, bien aimé, tu peux être la femme de nuit d'un membre de ta famille. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, faites très attention. Mais il se pourrait aussi que le visage que vous avez vu du membre de votre famille, ce n'est pas lui. Puisque Satan se déguise, Satan peut prendre le visage d'un membre de votre famille. Donc faites très attention. Alors, 17e songe. 17e songe. Vous avez des rapports avec une personne vivante, connue ou inconnue. Claudia Poiti, que Dieu te bénisse. Et puis le Congo, que Dieu te fasse du bien. Vous avez des rapports sexuels avec une personne vivante, connue ou inconnue, dans votre rêve. Vous avez des rapports sexuels avec une personne connue ou inconnue. C'est très dangereux aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez des rapports sexuels avec une personne connue ou inconnue.
dans votre rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous avez affaire aux esprits des eaux qui se sont mariés avec, qui se sont mariés avec vous sans votre consentement dans le sommeil. Vous avez affaire avec les esprits des eaux. Quand nous parlons des esprits des eaux, nous voyons la sirène. Nous voyons la sirène, Mami Wata. Claudia Poiti, c'est point noir, hein? Confirme-moi, tu es à point noir? Claudia Poiti. Puisque là, il y a la reine des côtes, là-bas, à point noir. Hein? Vous avez des problèmes avec les esprits des eaux qui se sont mariés avec vous sans votre consentement dans votre sommeil. On vous a épousé dans votre sommeil pendant la nuit. On vous a épousé pendant la nuit dans votre sommeil. Je salue tous les enfants des points noirs, que Dieu vous bénisse. Transmets mes salutations, Claudia Poiti, à tous les enfants des points noirs, que Dieu les bénisse. Et les esprits des eaux sont tellement dangereux, ils viennent même s'opposer au projet de Dieu pour vous, dans tous les domaines de votre vie. Ils viennent s'opposer au projet de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et ils ferment toutes les portes. Dans tous les domaines de votre vie, les portes seront fermées, fermées, fermées. Pourquoi? À cause de cela. BBC Vouda, que Dieu te bénisse. Bazami limo ma be bakanga kaba porte nyonso kumona makamu nyonso zo sale zo simba te. Balati si au masque de vieillesse, il te donne. Il te fait porter le masque de vieillesse. Certaines personnes, surtout les femmes, se retrouvent bien aimées avec des fibromes, des kystes, qui provoquent la stérilité. Ou des fois, ils perdent leur grossesse à cause de l'œuvre de ces puissances des ténèbres, des esprits des eaux. Sachez que la stérilité provient du dragon. La stérilité provient généralement aussi des esprits des eaux. Même l'inceste, ça provient des esprits des eaux. C'est pour ça dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'inceste, beaucoup de mariages d'inceste. Père avec sa fille, mère avec son fils, frère et sœur, des choses bizarres. Faisons très très attention, bien-aimés. Faisons très très attention. Je voudrais un peu voir vos acclamations. Acclamez le Seigneur. Linda Dito, acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur très très fort. Continuez à partager, continuez à partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Yeah, 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 yeah. Bravo, 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 Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Yeah, 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 yeah. Oh, ha, ha. Yesu kaka. Ye kaka. Yesu kaka. Ye kaka. Yesu kaka. Ye kaka. Ye kaka. Ye kaka. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est très bon. Jésus est très bon. Jésus est très bon. Alléluia. Jésus est très bon, bien-aimé.
J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, les peuples ne diront pas l'aurore. Nous devons apprendre, bien-aimés, à décoder le langage de Dieu. Nous devons apprendre cela, à décoder le langage de Dieu. Koyeba bien-aimé, qu'on comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Puisque la Bible nous dit, dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas garde. On dit qu'il parle même dans des songes. Alors, nous devons savoir interpréter nos songes, bien-aimés. Nous devons savoir comment interpréter nos songes. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là, au travers de ces songes-là? Quel message Dieu est en train de me transmettre? Pourquoi, bien-aimés, 2 Corinthiens 2, 11. Lis-moi un peu 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 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 De Corinthiens chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je lis au nom de Jésus-Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je reprends. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Comprenez bien, mais si on n'interprète pas les songes, et pourtant, Dieu a déjà donné la révélation. Mais si nous n'arrivons pas à interpréter, à décoder les songes, bien aimé, nous allons laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de Satan, des sorciers, ces gens disent, ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Que Dieu bénisse Maman Agnès Yvette Nga. La Bible dit, nous devons savoir décoder le langage de Dieu afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons que Satan est là pour nous détruire. Il cherche à nous détruire. Or, pour qu'il ne puisse pas nous détruire, bien-aimés, nous devons comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Des fois, toi, tu pleures, Seigneur, Seigneur. Et pourtant, Seigneur avait déjà averti. Puisqu'il dit, rien ne peut vous arriver sans que moi, Dieu, je puisse vous avertir au préalable. Donc, Dieu avait déjà parlé. Mais seulement, toi, tu étais distrait. Le message était là, mais tu ne savais pas lire. C'est comme quelqu'un bien-aimé qui attend l'argent, un rappel d'une forte somme, 50 000 euros. On lui a déjà envoyé, bien-aimé, les papiers à la poste, que ton argent est disponible à la poste, mais lui, il continue toujours à attendre, il continue toujours à attendre. Ah, moi, j'attends l'argent, le jour que mon argent va venir, le jour que mon virement va venir. Bien-aimé, le virement va rester. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas lire. La personne ne sait pas lire. La personne attend que l'argent tombe directement chez lui à la maison. Or, l'argent, on envoie, on transfère l'argent à la banque. L'argent est déjà à la banque, mais toi, tu souffres. C'est pour ça que j'ai dit, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, puisque nous connaissons ses desseins. Il cherche à nous dépouiller, il cherche à nous détruire, il cherche à nous faire du mal. Prodige, je n'ai pas de clé. Prodige, je n'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Je pense que vous avez compris, bien aimé. Là, c'est l'enfant qui revient de l'école. Donc, il veut que j'aille l'ouvrir.
Alors, bien-aimé, 19e songe. Vous vous réveillez en saignant au niveau des organes génitaux après avoir eu des rapports dans les sommeils. Ça, je l'avais déjà même expliqué. Donc là, ce n'est plus les rêves. Mais quand vous vous réveillez le matin, vous voyez que vous saignez au travers de vos organes génitaux après avoir eu des rapports sexuels dans les sommeils. Dans les sommeils, vous avez vu que vous avez eu des rapports. Mais en vous réveillant, vous voyez que vous saignez. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est toujours l'œuvre des esprits des eaux. Donc, vous avez un mari de nuit. Vous avez un mari de nuit. C'est son œuvre. Puisque lui ne vient que pour détruire. Là, il cherche à vous détruire. Il cherche à vous détruire. Il cherche à vous détruire. Donc, c'est très grave. 20e songe. Vous vous mariez avec une personne dont vous ne voyez pas le visage. Quand vous êtes encore célibataire. Donc, vous vous mariez avec une... Vous êtes célibataire dans la vie réelle. Vous êtes célibataire. Mais dans votre songe, vous voyez que vous vous mariez avec une personne dont vous ne voyez pas le visage. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voyez, vous mariez avec une personne dont vous ne voyez pas le visage. Et pourtant, vous êtes célibataire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que votre foyer non. Vous vous mariez avec une personne dont vous ne voyez pas le visage. Ah, donc c'est une personne. Cela veut dire que la personne en question, c'est une personne que vous connaissez, mais qui veut garder sa discrétion, qui ne veut pas que vous puissiez les connaître physiquement. C'est pour ça qu'il cache son visage. Beaucoup de gens bien-aimés font ce genre de rêves. Tu peux demander, maman, au l'autre nani, le mari de nous, au monde nani. Papa, je ne vois pas son visage. Là, il cache toujours son visage. Oui, la personne là, c'est une personne qui vous est proche, qui ne veut pas que vous voyez son visage, de peur que vous puissiez dénoncer. C'est pour cela, il cache son visage. Vingt et unième songe. Dans votre rêve, vous voyez une personne en train de se chamailler avec votre mari ou votre femme. Vous rêvez d'une personne qui est en train de se chamailler avec votre conjoint. À cause de vous, on dirait bazo ou elle la yo, deux hommes ou deux femmes se chamaillent à cause de vous. Dans votre songe, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de te révéler que la personne là que vous avez vue venir troubler votre foyer, troubler votre mari, c'est un sorcier qui veut la division de votre foyer. Donc cela montre que votre foyer est attaqué par un esprit des eaux dont l'objectif est d'introduire la division dans les couples. L'objectif est d'introduire la division dans les couples.
puisque ton mari, à la fin, il dira quoi? Ah, toi, tu as d'autres hommes. Ah, bon, ah, bon, moi, c'est fini avec moi. Ah, yo, Zaranamibal, moussou, ce bon baka. Ah, et Sili. Bien aimé, très, très dangereux. Très, très dangereux, ce genre de rêve. Donc là, le but de l'ennemi, c'est de vous amener au divorce, c'est de séparer votre couple. Vous devez faire très très attention. 22e songe. 22e songe. Vous dormez, vous et votre mari, mais dans votre songe, vous rêvez d'une troisième personne, soit un homme, soit une femme, couchée au milieu de vous. Gradi Manitou, que Dieu te bénisse. Vous dormez avec votre conjoint, mais dans votre sommeil, vous voyez une troisième personne couchée au milieu de vous. C'est un mari ou une femme spirituelle. C'est un mari ou une femme de nuit qui est venu bien-aimé pour vous séparer. Il est venu toujours pour vous séparer. Il y a un barrage qui empêche même l'intimité entre la femme et l'homme. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de couples bien-aimés. Il n'y a plus la vie sexuelle. Puisqu'il y a quelqu'un qui se met toujours au milieu. Il vient pour diviser. Il vient pour diviser. Donc c'est très très dangereux. 23e songe. 23e songe. Vous parlez avec un mort. Vous discutez avec un mort. Ozo solola muta kufa. Je ne parle pas du cadavre. Je ne parle pas du cadavre. Je dis quelqu'un qui est déjà mort. Mais tu te vois discuter ou échanger, parler avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire d'abord, premièrement, qu'il y a l'esprit des morts. Il y a l'esprit des morts. Il y a l'esprit des morts. Comme j'ai toujours expliqué, les morts là, que vous êtes en train d'échanger avec lui, ce n'est pas le mort qui est mort enterré. C'est toujours un esprit humain qui a pris cette forme-là. Et il veut vous entraîner à la mort. Vous parlez avec lui comme des intimes. Donc cela veut dire que cet esprit-là, ce sorcier-là, qui s'est déguisé au mort, bien-aimé, il est votre mari de nuit et il veut vous amener à la mort. Il veut vous donner la mort. Lisons un peu 2 Samuel chapitre 12, verset 23. 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 2 Samuel 12, verset 23. Écrivez rapidement. 2 Samuel chapitre 12, verset 23. Aujourd'hui, vous avez fait moins de partages. Moins de partages. Moins de partages. Depuis que nous avons commencé, bien-aimé, c'est le jour où vous avez fait moins de partages aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas perdu, vous pouvez toujours partager. Même en rediffusion, nos bien-aimés vont voir. Partagez. Celui qui sait faire le bien ne le fait pas, il commet un péché. Partagez, bien-aimé. C'est du bien que vous faites aux autres, même pour vous-même. Partagez. Là, nous parlons de 2 Samuel 12, verset 23. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 12, verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je
puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Là, c'est David qui parle à ses serviteurs. David explique sa situation, puisque les serviteurs de David étaient inquiets. Pourquoi David, l'enfant, est mort? Il a commencé à manger, et pourtant, quand l'enfant était malade, David ne mangeait pas, ne buvait pas. Mais dès qu'il a appris que l'enfant est mort, il a commencé à manger. Il s'est bien habillé. Écoutez, bien-aimé, la réponse de David. David dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerai-je? Est-ce que je vais gêner pour quelqu'un qui est mort? Puis-je le faire revenir? Est-ce que c'est un bon moyen? J'irai vers lui. Vers qui? Vers l'enfant qui est mort. J'irai vers lui. Lui, il est où? Au cimetière. Cela veut dire que moi aussi, un jour, on va m'enterrer au cimetière. Donc, j'irai vers lui. Mais il ne reviendra pas vers moi. Là, c'est David qui parle, bien-aimé. L'homme, selon le cœur de Dieu, il dit, moi, je ne pourrai jamais le faire revenir. Pourquoi je vais continuer toujours à pleurer, à gêner? Puisque moi, je sais où lui, il est parti. J'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Ça, c'est David. Voyons maintenant, bien-aimé, Salomon le sage. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et verset 6. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 et verset 6. Rapidement, rapidement, rapidement. Ecclésiaste 9, verset 5 et verset 6. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 et verset 6. Écrivez rapidement, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui as partagé. Que Dieu te bénisse beaucoup. Que Dieu te bénisse beaucoup. Toi qui as quand même partagé, que Dieu te bénisse. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Là, c'est le sage Salomon qui est en train d'étaler sa sagesse par rapport aux vivants et aux morts. Il dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils mourront, bien-aimés. Que ce soit toi et moi, nous savons qu'un jour nous mourrons. Un jour nous mourrions, bien-aimés. Mais les morts, et ils ne savent plus rien. Les morts ne savent plus rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée, mes bien-aimés. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là, nous sommes au 40e, 25e songe. C'était 25e. Donc, je dois rajouter 26e. Je dois rajouter 26e. 26e songe. 26e songe, bien-aimé. 26e songe. Dans votre rêve, vous voyez un homme menacer votre époux ou tabasser votre époux. Dans votre 24e songe. Ok. Donc là, c'est 25e ou 24e mot. Écrivez, c'est presque la fin. Dans votre songe, vous rêvez d'un homme qui tabasse votre époux ou d'une femme qui tabasse votre épouse. Qu'est-ce que cela signifie? Dans votre songe,
vous voyez un homme venir tabasser votre époux ou une femme tabasser votre épouse. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien aimé, cela veut dire simplement que cet homme que tu as vu qui tabasse votre époux, c'est votre mari de nuit, il est jaloux. Il est jaloux. C'est la jalousie qui le pousse à tabasser votre mari. Et ce cas, bien aimé, se termine souvent par la mort du conjoint. Ce cas se termine, écrit cela Camille Moulumba, ce cas se termine toujours par la mort du conjoint, soit de l'épouse, soit de l'époux. Donc sachez directement que vous êtes ou vous avez une affaire grave avec un époux spirituel très jaloux et très violent, à tel point qu'il donne même la mort. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens bien-aimés qui perdent leur conjoint. Qui perdent leur conjoint. Il y a un peu de gens qui ont bien-aimés. Bakoufelaka mibali. Puisque Azana mobali, pourquoi il y a boutou, il y a zou, il y a kasi très violent. Yenda bomaka mibali wana. Yende abomaka mibali. C'est très grave, bien-aimé. Faites très attention. Si tu épouses une telle femme qui a un mari de nuit très violent, sache que toi, ton sort, c'est déjà réglé. C'est la mort. Le mari de nuit va te tuer. Il va te tuer toi-même. Il va te tuer. Il va te tuer. C'est pour ça que nous voyons des femmes. Oh, bah, koufé la moubali moko, mibali misatu. C'est à cause de ces maris-là, de ces maris de nuit-là. Donc, le mari de nuit vient et il tue, bien-aimé, il tue, il donne la mort. Très, très attention, maman. Quand tu vois ce genre de rêve, cherche la délivrance et sois sincère devant les hommes de Dieu. Dis-lui la vérité, puisque ta vie, un jour, bah, okanga un doki. Bakubenga undo ki abomaka mibali akufela deja mibale akufela deja misatu. La Bible dit le malheur ne sort pas de la poussière. Comment est-ce que toi, une jeune fille, tu peux perdre déjà dans ta vie deux hommes, trois hommes? Donc c'est qu'il y a quelque chose. Le mari de nuit est très jaloux. Il est jaloux comme la jalousie. Et c'est un esprit bien-aimé très violent. Bon, tu appelles ça nos bonus, puisque je vais terminer avec cette histoire des maris de nuit maintenant. Je veux rajouter quelque chose. Je voudrais rajouter quelque chose. Et là, au Bakanga, si Manasuka y a enseignement. Manasuka a enseignement. Nde la goya kubakisa yango. Nde tokoya kubakisa yango. Sachez aussi, bien aimé, qu'il y a des partenaires, soit un conjoint, un homme ou une femme, lui-même, il a l'alliance avec les esprits des eaux. Alors, bah, esprit des eaux, on attend que nous soyons à côté de la relation à Mubal. Bako banda kouya. Ko détruire vie à mibali wana. Bako boma mibali pe mingi bakufa nezala ka mort subite. Souvent ce sont des morts subites, bien-aimés. Il va tuer ton partenaire de connivence avec toi. Puisque lui il te soigne très bien. Tout ce que tu fais ça réussit, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Ce qui fait que tout ce que tu fais ça réussit. Il te donne l'argent, il t'achète des maisons, il prend soin de ta famille. Mais la seule chose, tu ne dois pas sortir avec un autre homme. Si tu essaies de sortir avec un autre homme, lui, il vient tuer cet homme-là. Toi-même, tu es au courant. Tel que je suis ici, si j'essaie de sortir avec quelqu'un,
il va mourir. Toi-même, tu le sais. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu as des sérieux problèmes, bien-aimés. Cherche la délivrance. Cherche vraiment la délivrance. Il y a un moment où on a passé belé dans un guinda. Azana mbongo, azana ba jeep, azana ma pango, azana boye. Aux autres, même jeune, mais vimro kitoko. Mais bien aimé, ces jeunes-là, avec cette vie-là, vous ne savez pas d'où viennent ces choses-là. Ce sont les esprits des eaux. Vous savez, les esprits des eaux, bien aimé, aiment beaucoup d'élixir, les luxes. Ako gâte, a pésio nyonso. Mais, ko bimana mobali moussisute. De fois, quand on dit que l'homme est obimala mobali, mais abala yote. Soyez kaka balio, il faut koufa. Yango se mouna basse belé. Ba koufe la mibali. C'est à cause de ces choses-là. Donc faites très très attention, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Là, nous avons fini avec les songes liés au mari, aux femmes spirituelles. Nous avons terminé avec cela. Donc, nous acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons Jésus très très fort. Acclamons le Seigneur très très fort. Acclamons, 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 acclamons. Disons bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Yeah, 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 yeah. Alors, bien aimé, je voudrais vous poser quelques questions. Je voudrais vous poser quelques questions. Peut-être je mélange tout et j'oublie certains points. Nous avons parlé, nous avons interprété les songes liés aux avertissements de Dieu. Ça, c'est sûr. Nous avons interprété les songes qui révèlent l'esprit des morts. Nous avons interprété les songes liés aux affaires. Bien aimé, si vous voyez que je lis un sous-thème qu'on n'a pas interprété, dites-le moi. Puisque des fois j'oublie. Des fois j'oublie. Donc premièrement, on a parlé des songes liés aux avertissements de Dieu. On a parlé des songes qui révèlent l'esprit des morts. On a parlé des songes liés aux affaires. On a parlé des songes liés aux finances. On a parlé des songes liés au combat spirituel. Je pense qu'on n'a pas parlé des songes liés au combat spirituel. Maman Mati Matondo, que Dieu te bénisse, Matondo Kwanzambi. Est-ce que nous avons parlé des songes liés aux affaires? Je ne pense pas. Faites-moi signe si nous avons déjà parlé des songes liés aux affaires. Nous avons parlé des songes liés aux finances. Nous avons parlé des songes liés au combat spirituel. Dorcas Françoise, que Dieu te bénisse. Nous avons parlé des songes liés aux prisons sataniques. Non, on n'a pas parlé des prisons sataniques. Ouais. Claudia Poitiers dit non. Donc, il y a les songes liés aux affaires qu'on n'a pas encore parlé. Maman Tété, est-ce qu'on a parlé des songes liés aux affaires? Puisque là, tu as dit oui, papa. Il y a Claudia qui a dit non. Donc, je ne sais plus. Toke Malé Malembe, est-ce que Tolobeli, les songes liés aux affaires? Ou on n'a pas encore parlé? Non. Donc, les songes liés aux affaires, on n'a pas encore parlé. Est-ce qu'on a parlé des songes liés aux prisons sataniques? Répondez-moi si on a parlé des songes liés aux prisons sataniques. Ah, Botenga na mobulu, oya luba non, oya luba oui. Francisco Makino a dit oui, on a déjà parlé. Maman Tété a dit si.
en tout cas je ne sais plus. Revoyez vos notes, bien-aimés, parce que je voudrais aller terminer cette histoire d'interprétation des songes. Alors, bandoton à l'obélité, je voudrais que vous puissiez me faire signe. Donc là, j'ai des doutes sur les songes liés aux affaires et les songes liés aux affaires et les songes liés au combat spirituel. Combat spirituel. Alors, voyez vos notes. Donc, les songes liés aux affaires et les songes liés aux prisons sataniques. Les songes liés aux prisons sataniques. Aux affaires, oui. Bon, les prisons sataniques, alors, maman Tété, écris-moi les prisons sataniques, oui ou non. Ndéga Okomi, aux affaires, oui. Prison, oui ou non. Prison. Que Dieu te bénisse, belle la rose Zivi. Nous avons parlé des songes qui parlent des blocages, les songes liés à la sorcellerie, les songes liés au service des dieux, les songes liés aux fiançailles, les songes liés aux maris ou femmes de nuit, nous venons d'en parler maintenant, les songes liés aux animaux, à prison on n'a pas encore parlé, ok. Les songes liés aux animaux et les représentations sataniques ou les camouflages du diable. Ça, on en a parlé. Voilà, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Pendant cette période que nous sommes en train de parler de ces choses, tu vas prier Dieu, bien aimé, que Dieu te révèle encore des choses. Que Dieu te remplisse de son esprit afin que tu puisses commencer aussi à interpréter. Que Dieu attend l'Isaïa Fungola Misu, puisque Dieu parle au travers des songes. Ouais, Claudia Poitier, elle dit, elle ne sait pas si c'est elle qui n'était pas en ligne, mais elle n'a pas suivi les songes liés aux affaires et les songes liés aux prisons sataniques. Voilà, bon, on verra quand même, hein. On verra. Ok. Alors, nous sommes à la fin, bien-aimés. Rendez-vous tout à l'heure à 18h à l'église. De 18h à 19h30, nous n'avons qu'une heure et demie de temps. 18h à 19h30, nous n'avons qu'une heure et demie à l'église qui se situe au 18 rue de l'Avenir. 18 rue de l'Avenir. 18 rue de l'Avenir. 93 800 Épinay sur Seine. 18 rue de l'Avenir. 93 800 Épinay sur Seine. Si vous prenez les transports à partir de la gare du Nord, vous prenez les TH. Premier arrêt, c'est la gare de Saint-Denis. Deuxième arrêt, c'est la gare d'Épinay-Viltanaise. Vous descendez à la gare d'Épinay-Viltanaise et dès que vous descendez, en face de vous à la sortie de la gare, il y a le McDo. Vous prenez le sens contraire. Donc, allez contourner la gare. La rue qui est juste derrière la gare, c'est la rue de l'Avenir. Vous avancez jusqu'au numéro 18. Il y a un grand portail. Le digicode, c'est 1998. Donc, 1998. 1998. Vous faites le code et vous entrez. L'église se situe jusqu'en face du portail. C'est au rez-de-chaussée. Donc, nous serons là-bas. 18h à 19h30. Et ce sont les jours que je reçois souvent. Si vous voulez me voir, appelez-moi, prenez rendez-vous. Comme ça, on va se voir à l'église avant même que nous puissions commencer la prière. Donc, c'est une bonne occasion. Vous venez pour un entretien ou pour parler avec le pasteur Miko. Vous avez beaucoup de songes, vous voulez que je puisse vous l'interpréter.
Venez, bien-aimés, venez à l'église, mais ne venez pas comme ça, prenez rendez-vous avec moi, puisque je suis aussi un homme occupé. Si j'ai des rendez-vous, oui, directement je viens. Mais des fois, si je n'ai pas de rendez-vous, moi aussi je risque de venir à 18h. Et à 18h, c'est l'heure du culte. Donc comprenez-moi, bien-aimés, je ne peux pas me dédoubler. C'est très grave. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Acclame Jésus, bien-aimé, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Vous voulez mon numéro de téléphone, ça se situe juste à votre écran. Abonnez-vous à Mikobatika TV, ça c'est notre page Facebook. Notre page Facebook c'est Mikobatika TV. Et nous avons aussi une chaîne YouTube, Mikobatika TV. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Mikobatika TV. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant à chaque fois qu'il y a quelque chose ou à chaque direct. Voilà, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille Aurélie Tanga, Joss Britney, Céline Congo. Que Dieu vous bénisse. Maman évangéliste Tete Mungu. Que Dieu te bénisse, maman Matima Tondo. Que Dieu vous bénisse tous, Francisco Makinu. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez participé, bien-aimés, à cette séance, n'oubliez pas, à 22h, c'est 100% Lingala. 100% Lingala à 22h. Donc, soyez très nombreux, continuez à partager les liens, intéressez les amis pour commencer à nous suivre, bien-aimés. Et n'oubliez pas qu'à partir de dimanche, donc ce dimanche, nous aurons un nouveau séminaire qui a pour thème « Sors de la maison de ton père ». Bien-aimés, je t'assure, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations. Priez pour maman évangéliste Mimi, la gloire en Domio. Elle est souffrante, c'est pour ça que vous ne la voyez pas. Donc, priez pour elle. Bien-aimée, sors de la maison de ton père. C'est un séminaire qui va te bénir à partir de 22h30. Aujourd'hui, c'est 22h30. Tous les mardis et jeudis, j'interviens à partir de 22h30 puisque je viens de l'église. Donc comprenez, quand je pars à l'église, je termine, des fois je parle aussi avec des gens, le temps de revenir à la maison, des fois manger même, donc tout ça bien aimé, je récupère même les 30 minutes là. Au lieu de commencer à 22h, je commencerai à 22h30. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Je dis bravo Jésus, celui qui nous révèle les choses cachées, pour que nous ne puissions pas être dans l'ignorance. Puisque Satan a pris beaucoup d'avantages sur nous. Il a pris beaucoup d'avantages sur nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bokende Kolongae. Sanga kamalo ba ayawe oya kosekure sa
Et après, je vais vous montrer comment on peut s'en aller.